Extrêmement, métier très passionnant, où je rencontre beaucoup de gens passionnants, intéressants, captivants. On m'a souvent demandé, mais Hugues, comment est-il possible de concilier l'inspiration artistique avec le boulot? Je réponds, boulot comme partout, les sujets ne manquent pas. Alors voici un sujet pris sur le vif. Devant les pierres des maisons, où je m'arrête pour mettre les lettres dans les boîtes aux lettres, il y a des tacs. Des tacs sur lesquels on est bien obligé de poser les talons. Elles ne sont pas toujours solides, ces tacs. Un jour, j'ai même entendu qu'un de mes collègues facteurs était carrément tombé. Et depuis ce jour-là, j'ai la trouille! Les tacs de la chaussée où je passe, ce sont animaux, je suis à bout de force. En accord avec les pavés voisins, elles s'amusent à faire sonner le tocsin. Même les pierres des seuils qui les escortent sont de mèche avec elles. Xavier, pourrais-tu m'expliquer ce que le wa-wa-wa, peut-être très sympathique, fait dans la chanson? Maintenant, il y a peut-être un détail qui m'échappe, mais entendez-vous bien au fond de la salle? Oui. La guitare résonne-t-elle bien? Oui. Merci à vous. C'est vrai que le public voit parfois beaucoup mieux que celui qui s'exprime. Les tacs de la chaussée où je bosse se sont donnés bon, je suis à bout de force. En accord avec mes pavés voisins, elles s'amusent à faire sonner le tocsin. Même les pierres, les seuls qui les escortent, ce sont de mèche avec elles, ainsi que leurs portes. Des pieuvres ou des